11 rencontres. Et je remercie l'opportunité de décider de travailler avec vous. Je suis directement étranger, je n'appartiens pas à l'Université de Valladolid, je ne suis même pas de la France, mais c'est la troisième fois que je suis avec vous et je suis enchantée de le faire. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un projet qui n'a pas été mené en réalité, mais de toute façon, je trouve que c'est très intéressant. Moi, quand j'ai fait mes études, j'ai étudié plusieurs fois des projets qui n'ont jamais abouti à mon terme, mais qui ont été rélevants pour l'histoire de l'art. Et tout le monde a étudié les utopies. Donc, je vais vous parler d'une utopie qui a été vraiment importante et qui marque un peu de points et certains aspects dont vous avez parlé préalablement. C'est surtout ce qui concerne l'espace public en termes de traduction des idées politiques, la recherche sociologique et un défi pour une société. Donc je vous parle d'un parc qui est l'origine du parc qu'on a toujours dans la ville où j'habite, parce que je le trouve, qui est Mireille Fertavino, aux Açores. Et dans mon cas, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai préparé en espagnol, je vais parler en français, donc ça je crois que tout le monde pourra suivre. Et au cas où il y aurait quelque chose qui n'est pas soit en histoire française ou en espagnol, vous me demanderez, il n'y aura pas de problème. Alors, je vous parlais du projet du parc municipal, du parc de la ville des Mieres, qui a été fait par Théo de Sarasillaga, qui est un des grands chefs des années 20 de l'Espagne, et qui a été projeté en 1919. Et on a eu l'occasion, quand la ville de Mieres nous a demandé, mai 2005, quand je travaille en tant qu'entreprise, comme historienne, je fais des travaux de recherche et qui mène habituellement avec le processus de patrimonialisation, on nous a demandé de faire un étude concernant les travaux de Pedro de la Sarasti aux Asturies, qui était juste ce qu'il avait fait à Mieres dans une période très précise. Donc, c'était le but d'aboutir à une sorte de classement qui a été un classement régional et pas de niveau maximum, c'est pas en termes de monument historique, c'est une autre catégorie inférieure, mais qui a les mêmes, on va dire, restrictions d'un point de vue de l'urbanisme et de l'intervention. Et on a abouti à notre. C'était ça qu'on voulait faire, et le 10 avril 2008, on a obtenu cette reconnaissance pour les travaux de cet architecte. Quand on a commencé à travailler sur ces processus, on venait de faire une grande expo à Madrid sur les travaux de la Sarasti. Et c'est là qu'on a vu qu'il n'y avait pas trop de connaissances de cette période qui était là, mais très intense, dans laquelle il a séjourné dans notre vie et il a connu la réalité. Et pour lui, cela avait été passionnant parce que c'était un coin dans lequel, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un endroit dans lequel il y a des mines, des abus spécifiques, etc. Vraiment un moment très puissant. Pourquoi il était arrivé à ce moment-là chez nous et quelles étaient les sources qu'on pouvait nous montrer? Alors, il y a un personnage qui est la clé dans cette histoire, c'est ce type que vous voyez là, c'est Manuel Tapico, étant à ce moment-là le maire de Mieres, mais préalablement, il avait été un syndicaliste très connu qui avait parti au nord de la France. C'est là qu'il avait la connaissance du syndicalisme moderne et il est venu avec des idées socialistes vraiment de progrès. Manuel Tapico a eu après une trajectoire politique plus large parce qu'il a été député et il a eu aussi un rôle spécifique dans le Pedro de Rivera, mais c'est vraiment un personnage important. Donc ici, la politique est claire parce que c'est le maire qui envisage tout un projet de travaux publics qui a une portée de toute la municipalité, et c'est la chose dans laquelle investit le plus de son élan, son pouvoir, à partir de le 1er mai 1918. Et 1921, il laisse tomber parce qu'il y a tout un problème au sein des socialistes à cause de la troisième internationale. Donc, dans ces 3 années et 4 mois, il a montré clairement l'intérêt social de se trouver entre les travailleurs, qui n'est pas le même problème, et les entreprises. Et son stratégie, il pensait au bien commun, était d'investir sur des équipements et pouvoir faire travailler les gens qui avaient été rejetés des grandes entreprises après les chômages qu'il avait eus, et de cette façon changer la municipalité et la faire plus moderne.
C'est un moment dans lequel il était inquiet par les mauvaises conditions de la vie des ouvriers, et c'est pour cela qu'il voulait des infrastructures et des services, on va dire, minimum pour les travailleurs. Et c'est très intéressant ce que Louis a dit tout à l'heure, parce que dans les termes de ce temps-là, on parle des ouvriers et des employés pour des catégories tout à fait différentes. Donc il parle surtout des ouvriers, et c'est sur ce groupe social qu'il est investi. Quel est le plan dont il nous parle? Le plan, c'était d'un côté la question des eaux, l'approvisionnement des eaux, mais aussi l'assainissement, parce que c'était les grands problèmes de la ville qui était en train d'accroître, mais aussi les dépôts pour les eaux, et une question très importante, la canalisation du fleuve qui traverse notre ville et qui a été objet de plusieurs moment grave, parce que quand il dépassait, qu'il y avait des inondements, et c'était vraiment là pour les quartiers qui étaient les plus éloignés. La deuxième question qui était importante pour lui, c'était l'élargissement du réseau du bâtiment scolaire, l'amélioration de l'éducation publique, laïque, et d'autre part aussi, améliorer l'habitat. Donc, il parlait des infrastructures et du fait d'avoir des bons marchés et des espaces pour les aliments qui soient frais, et faire des nouveaux chemins et des nouvelles routes, améliorer le logement, et il commence à dire qu'il faut faire quelque chose d'énergétique et intensif. Et l'idée était à cet âge-là, si la ville est en train de s'agrandir et les entreprises obtiennent des profits, il faut investir. C'est le moment d'investir parce que c'est le moment de gagner des sous. Pour aboutir à ce qu'il veut faire, il cherche des professionnels ailleurs. Donc, avec des liens avec nos ingénieurs et architectes municipaux, il arrive sur le groupe qui est relié autour de la construction moderne. C'est une revue très importante qui était à ce moment-là publiée à lui, et dans laquelle il y avait les noms reliés là. C'est Eduardo Vallejo Ramos, Luis Sainz de los Ferreros, de la Casa Asti. Alors, ils vont être tous recrutés. Ils battent sur Pérez et on va chercher à chacun parmi eux certains travaux qu'ils pensent qu'ils peuvent être le plus important ou ceux dans lesquels ils peuvent donner son mieux. Donc, on a dans ce cas-là Eduardo Ramiro Ramos, qui est un ingénieur militaire très important, et Eugenio Rivera, qui avait été à Mies pendant un certain temps en consultant, donc c'est lui qui fait le lien, Luis Sainz de los Ferreros et Carlos Dinamarca. Et tous ces gens-là sont sur le point de l'emploi du béton armé, l'usage de nouveaux systèmes plus, on va dire, scientifiques ou fonctionnels dans les termes du bâtisse, du fait de bâtir, de faire le plus vite, mais aussi dans les nouvelles formations. Ce que je vous montre à voir, c'est le travail qui a été fait aussi et qui répond un peu à tout ce projet et à ces moments, c'est le bâtiment de la Casa del Pueblo Socialista, la maison du peuple socialiste, qui a été faite à Mies, et c'est le palais des ouvriers, qui a été fait par Eduardo Sánchez de Damiana et qui existe toujours dans notre municipalité. Et c'est que la Casa Rasti qui doit être, qui est censé de faire trois projets parmi lesquels on a les trois œuvres qui finalement ont exécuté. Il a fait las casas baratas, c'est-à-dire, c'est le terme dont on se sert en Espagne pour les maisons qui répondent à la loi des maisons au marché, on va dire que c'est notre HLM historique, et il fait aussi deux petits pavillons, deux hôtels pour des bourgeois qui habitent ici. C'est très intéressant parce que les deux pavillons ont été faits pour l'hôtel des maisons, c'est par qui on avait signé la scripture des maisons au marché. Je crois qu'il a dit, bon, il paraît qu'il sait faire, donc je vais lui demander de faire ma maison. Donc, ça, vous voyez, il y en a qui vous avez connu parce que vous avez été avec moi à visiter les maisons au marché qui existent toujours. C'est un projet glorieux qui a été fait en 1919-1923 et dans lequel on a logé des ouvriers, trois oriaux et un curé. Donc, on fait toujours bien et il faut mettre quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Vous voyez des photos historiques qu'on a trouvées à ces dates-là et c'est l'état actuel et ce qu'on a montré dans la revue quand ils ont fini les travaux entre le off et le style traditionnel. C'est une
Est-ce qu'on arrivait sans doute qu'on a repéré du jour où on a donné les clés au nouveau logis, à cet ensemble, une photo merveilleuse qu'on a trouvée à Pau. Et les autres deux amers, c'est ça que je montre, ce sont les maisons qu'il a fait pour loger le notaire et un autre bâtiment que notre notaire a d'abord loué et puis après vendu. Et dans le temps, il a été occupé par les propres ingénieurs qui étaient chez nous afin de faire les travaux. Et puis après, un entrepreneur, mais aussi un républicain, un maçon qui a eu énormément de problèmes et dont on a eu du mal à retrouver les références parce qu'il avait été effacé de la documentation. Vous les voyez, ça c'est une photo historique, juste par le bâtiment était là, venait d'être fini et il est récupéré et à l'instant, c'est pour cela qu'on a travaillé dans la patrimonialisation, la mairie a acheté, ce sont des bâtiments dont ils vont se servir, qui sont dans le centre-ville, très intéressant, là où la plus puissante association qu'on est dans notre municipalité, 3000 associés, c'est l'association des mineurs, qui est vraiment censée et intéressée à occuper un bâtiment historique. Mais pourquoi on avait compté sur le de la Sarasti? Parce que maintenant, il avait fait une idée, et pour lui, l'un des projets les plus ambitieux, c'était de faire un parc. Il disait que c'était absolument important de faire un parc, parce que les gens et la population avaient besoin, et parce qu'ils étaient de plus en plus éloignés de la nature. Donc, il fallait mener la nature en plein centre-ville. Et c'est un projet qui a été si important qu'on a fait plusieurs choses, parmi lesquelles une, dont je vous montre là les notes, c'est qu'il y a eu même une chanson, parce que tout le temps on parlait du parc qu'on allait faire, donc il y a une tête qui a été faite pour raconter cette histoire, et c'est vraiment un énorme exemple de l'idée socialiste et de la formulation moderne. Je vous montre un peu ce qu'il a dit, je sais que je dois finir, donc je vous montre quelques images du projet qu'on garde toujours dans nos archives et qui sont parfaits. Et il disait que là, ça va, c'est les jardins, les parcs et les grands espaces libres des populations et ont une influence énormément importante dans l'hygiène générale des villes. Et cela n'admet pas de doute. Et pour le développement et la santé des enfants, jusque dans le moment où ils sont en train de créer son esprit. Donc c'est important qu'il y ait ce type de choses. Il comptait aussi, racontait aussi, dans ce projet énorme qu'il a fait une aquarelle exceptionnelle, comment devait se passer, et c'est qu'on pouvait réparer, donc il y avait un restaurant, et il avait dit qu'il fallait valoriser la configuration topographique, la croissance libre de la végétation, le pittoresquisme ordonné, et le fait de combiner des bâtiments et des espaces libres et naturels dans lesquels les gens puissent jouir. Donc, il a parlé énormément des enfants et comment les enfants étaient exposés dans le milieu ouvrier à des influences vraiment moisies. Donc, il fallait faire autrement. Et il disait que c'était l'école des citoyens. La rue, c'est l'école des citoyens. Et dans le parc, on peut choisir qui est ton ami, ce que tu dois faire. Je vous montre des enfants de ces temps-là, il y a 5 ans dans ma région, il y avait énormément, c'est un peu ce que je vais se raconter, dans une famille, il y avait 10 enfants et 2 adultes, et nos enfants qui vivaient dans la rue comme ceci, vraiment abandonnés, on commence à nous dire comment faire, et il prévoit de faire quelque chose d'énorme, vous voyez là, sur le plan de croissance de notre ville, les terrains qui étaient prévus pour cela, 15 000 mètres carrés avec une grande avenue, un espace pour se promener avec des toits, des jardins, des tribunes pour les sports. Et il faut jouer au football, au tennis et faire papa. Et aussi les espaces pour la musique, le cinéma et le guignol pour les enfants. Le guignol pour les enfants qui était génial. Et là, vous voyez, on a jamais vu notre petit théâtre de guignol, donc on a vu des enfants dans le parc qu'on a fait à la fois. Après nature, parce qu'on n'avait pas de bâtiment. Et c'est qu'on a eu beaucoup d'âmes après, énormément de temps après, entre les années 1950-1960. C'est le premier parc public qu'on a eu, vous le voyez, une étendue beaucoup moins restreinte, 30 fois mineure. Et c'est avec cela que nos enfants ont joui de ce temps-là. C'est un énorme procès et nous, on vient de récupérer un autre espace pour la même monde. C'était des tamabas pendant longtemps et c'est le nouveau parc public de Mieres. Celui-là qu'on a, c'est ce qui nous reste du projet de Marie d'Aleta. L'autre est fait à l'honneur de notre mère récemment morte qui s'appelle Aníbal Vázquez. Alors, on a
un film de main populaire et tous les gens de la ville ont voté massivement pour lui donner le nom. Et pour moi, c'est important parce que je trouve que les espaces publics pour les gens sont très touchants et quand les gens leur donnent un nom, et c'est le nom que les gens veulent lui donner, c'est vraiment parce que ça exprime quelque chose. Donc, on va pouvoir récupérer la mémoire et ne jamais la perdre d'Annie Van Barker, qui est vraiment important pour le changement de Paris au présent. Donc, et je vous remercie de votre attention. Je ne peux pas faire autrement plus vite. Donc, merci. Et si vous avez des questions, Margaret, après. Merci beaucoup.